un arrivo. Comment vous avez dit? C'est joli. Tu vas pas être dans la vanne, les communistes, c'est pareil. Voilà. Comme plan de la ville, là. Donc, arrivé à Antananarivo. Avec une première partie de voyage plutôt vers l'est de l'île. En direction de la réserve d'Antasibé qui se trouve ici, puis jusqu'à Tananarive en poussant jusqu'à Full Point, afin d'aller faire ensuite un séjour sur l'île Sainte-Marie, ce qui nous a permis de suivre la Nationale 2 pratiquement jusqu'au bout. C'est pas très difficile à trouver, non? Ah, c'est pas. Bah, ça a marché. C'est toi? C'est toi qui as fait le flash ou pas? Non, au flash. Mais c'est pas le flash. Ça fait peur, ce flash. Là, ils sont. Énorme. J'avais l'impression de l'avoir. J'ai pris pour 200. C'est pour un grand office Madagascar ici. Il y a de beaux yeux. C'est... Et ils mordent quelquefois? Ah, ça, oui, vous... ça pince. Ça pince? Ouais. Ça peut vous... Et c'est quand il n'est pas content qu'il enroule? Ah non, c'est strange. Ici, il est en train de muer là. Oui, tous les trois mois. Alors, on s'est éloigné de la capitale, il y a moins de voitures. Et tous les porteurs de bananes sont encore là-bas. Hein. Ils attendent la même place que les porteurs de bananes. Oh.
Ah, il pas fait des choses là. La balle qui traverse la peau. C'est vrai? Oui, il va te brancher un peu. Oh yeah, still door. On va chez pas dessus. Anala, ça veut dire four. L'épicier du coin. Thank you.
Lesquels? Les noirs et blancs, là? Non, ça c'est... Le sable. Tu me donnes là, je saute sur le sable. Je saute pas sur le caillou, moi, après je suis malade. Une, deux, trois. Là, c'est bon comme ça? Sainte-Marie, petite île, nous avons fait un petit séjour, c'est l'île des pirates et des baleines.
Alors voilà, l'autre il revient encore. Bonne nouvelle. Voyez, vous êtes fini. Non, moi je suis très radin. Radin? Ah non, voilà. Ça tenait. Je passe au mur. Qu'est-ce que tu veux, toi? Et le chien? Prédateur de la tentation. Une école de mer. Ils l'ont mangé. Voilà. Alors, qui c'est qui veut une gorgée de champagne malgache? Sa démonstration, c'est bon. Alors, il souffle là, pour faire 300 mètres. Alors, vous avez fait des photos? Magnifique. Ah ouais, très bien.
Un petit entonnoir. T'as acheté l'angouste à 40 000 et tu nous vends 60 000. Oui. Bah, vrai? Il faut bien qu'elle gagne un peu de l'argent. Moi, je cherche les bénéfices. Ah bah, oui. Ça, c'est trop difficile. Et puis, il y a trop comme ça, ouais. Oh, c'est difficile. Fatigant. Ouais. Il faut mouiller de l'eau, regarde ton eau là. Le restaurant. Sucre canne, je les ai mis dans le même sac à la récompense. En avion, la deuxième partie de notre voyage s'est orienté vers le sud-ouest en suivant donc la Nationale 7 jusqu'à Tuléard et ceci pendant 800 km. Ceci ponctué de nombreux arrêts dans les villes d'Andacibé, d'Ambositra, de Fianarantsoa, de Ranoïra, où nous avons visité le parc d'Isalo, puis arrivé à Tuléar, nous sommes repontés un peu vers le nord pour aller faire un deuxième séjour sur Ifani, le long d'une barrière de corail qui se trouve ici.
compris que la dernière. Non, oui. Non. Non. Ah ouais? Alors c'est quoi? Il n'y a pas de moine là-dedans? C'est bon? C'est ça la moine. C'est dur? Mais oui. Près de la corne. Il a l'air d'être rien. Et ça, c'est colorant. Farine de blé pour ça colle pas, éviter la chaleur. Voilà le berlingot, de symétrie triangulaire, s'appelle le berlingot, la source du bonbon français, comme ça. Non, c'est du blé. Un coup de cornet sur le bus, ça fait mal. Pour aller de Fort-de-France jusqu'à Tanaï, il met un mois. Un mois. À marcher. Et par ça, il ne gagne pratiquement rien. Il ne gagne rien, puis il mange rien. Mais le soir, il s'arrête le long de la route, là, non, pas le long de la route, mais dans les prés qui bordent la route. C'est l'Obsercado, ça? Oui, oui. Et il y a là-dedans à manger. Du riz, et du poisson séché. Voilà, c'est comme moi. Il est début séché. Il y a 200 litres de flotte dans le bidon. C'est un truc super, le sien, là. C'est la camion derrière, toi. Du miel dans des bouteilles de plastique
tout. Tu crois que ça vaut 13 000 ça? Ah ouais. T'es sûr? Ah oui. Il écrit son adresse. Ah, ou combien d'enfants elle? Ça n'a pas 13. 13 ans. 13. Moins que mon père. Mon père en a 16. Tu me donnes à moi, Angé? Ça marche plus. Fanny, Amène le petit bébé, c'est ce que c'est comme. Et puis elle est la table. Je vois bien. C'est bâton pour le début. Des briques qui sèchent. Pour toi, c'est pas un prix spécial. Moi, j'achète ça et puis j'achète un cadeau. Belle porte, la pâte. La pâte. Au soleil. Les décorations. La pâte. Le marché. Voilà le marché aux mille couleurs. À notre poêle. Les tissus sont à gauche. Thank you.
5 000, nous on achetait à 7 500. Oh non. C'est pas qui a acheté ça. Tu vois mon nom, Mohamed. Je t'ai dit que je suis musulman. Ok. C'est du couteau suisse fabriqué en arabe. Oui. En arabe. Oui, en Arabie Saoudite. Hey, tu es musulman, tu manges pas le saucisson là. Si je mange, il n'y a personne qui voit. Bon, alors tu te débrouilles pour acheter le saucisson, puis on met un frigidaire, puis à Fierty, là-bas, on va essayer. D'accord? Sur la route. Non, mais c'est vrai? C'est pas saucisson. Les saucisses là. Oui, les saucisses, ça dépend où là. Oui, les saucisses. Tu mets un frigidaire là. Non, pas un bon quoi? Avec une mousse. Mais c'est mousse, hein? Ah oui, j'ai fait ça. Moi, j'ai... Bah, qu'est-ce qu'on fait? Ici? Mmh. On donne aux gens le reste. Bah, faut pas donner. Aussi, ah, on va les vendre. Pour lui, c'est le commerce toujours. Il va être content, alors. Mais je violais absolument tout. Mais qu'est-ce que tu prends? C'est pas nous, le serviette. La bouteille, le casque, mais... Bien, bien manger. C'est curieux, hein? Peut-être une maman? Il a toujours mal au ventre, mais il n'a pas le papier. Alors bonjour. C'est comme un chat. Un peu, oui. Il n'y arrive pas. C'est pas la famille de chats. Il a trois jours à battre. Non, mais il a un ennemi, tout va bien, c'est tout blanc par rapport aux autres. Nous continuons la Nationale 7, bien difficilement, pour passer les portes du sud et rejoindre le parc naturel d'Isalo. À 30 km au sud, nous traverserons une ville champignon frappée par la ruée vers l'or, ou plutôt la fièvre du saphir. C'est un prêche des évangiles. Après 45 km de piste.
moi, je, tu vas mourir ce soir. On va mourir ce soir. Ok. En route pour la promenade. C'est bloqué. Ah merde. Eux aussi, ils ont des traditions de faire des retournements des morts. C'est ce qu'il y a expliqué à la SAC quand on fera au tombeau provisoire et puis amen. En route pour la marche. Ah, ça fait mal. Moi, c'est l'herbe. Hein? Elle est jaillie. Ah, mais non, chaque famille, ça c'est comme ça, peut-être deux personnes ou trois personnes là-dedans. Il y a de l'eau, on va chercher. Ce soir, réception à la chambre 46.
l'océan, c'est la ville d'Irakaka qui a démarré en 98. À la recherche des saphirs. Ce sont les anciennes mines qui ont été exploitées à Manama. Docteur, là où vous voyez, sous est marqué saphir, ce ne sont pas des. Là, ouais, les Sri Lankais. Il est mal taillé. Moi, je viens bien chercher le saphir ici. J'aime chercher ça. Ça donne l'espoir. Ça donne merveilleux. C'est ça qui donne. Si pauvres, s'ils trouvent un saphir, ils sont riches. Ah oui, non, ils sont pas riches. C'est comme dans les westerns. Je vous ai dit, on est en retard de 100 ans ici. On retourne à 100 ans comme avant. J'en trouve vraiment beaucoup ici. Ah, je sais pas. C'est comme avant, on retourne en arrière. De 100 ans, regarde les sacs à dos. Donc comme ils sont, on ne marche pas. Les premiers baobabs. C'est que là, ça s'appelle le Varanga. Vous voyez ce que transporte le petit garçon à gauche là? Ah.
la guerre. Oh, ici, c'est sûr. Voici arrivé à l'hôtel. Nous sommes repassés par la piste pour rejoindre Tuléar afin de rejoindre la capitale Antananarivo et de terminer notre séjour à Madagascar.